Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Ivax. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Présentation d'un vélo de la marque de Lankenly Bike qui m'a été envoyé. Donc, c'est le RV800+. Donc, vous connaissez. On va le déballer. Je vais le déballer et le monter en accéléré. On fera ensuite un tour du vélo pour vous montrer un peu les specs techniques, etc. Et ensuite, évidemment, on ira faire un test. On testera la bête. Donc là déjà vous le voyez, c'est un très très gros carton, ça a l'air d'être très bien emballé. Donc écoutez, j'y vais, je vais déballer et monter tout ça. C'est parti. Donc je vous reprends juste pour vous montrer comment à l'intérieur il est très bien emballé. Vous voyez, il y a tout qui est protégé. Voilà. Allez, on reprend l'unboxing. Donc voilà, on se retrouve une fois le vélo monté. Bon, je me suis mis à l'ombre parce qu'il faisait chaud. J'ai mis à peu près une trentaine de minutes pour le monter. Parce que bon, j'ai fait quelques erreurs. J'ai voulu monter l'écran au début. Alors que bon, pour retourner pour mettre la roue avant, c'est un peu encombrant. Donc j'ai dû l'enlever. Sinon, globalement, à monter, il y a la potence qui est dans ce sens-là. Donc il faut l'inverser, la mettre là. Il faut régler les deux T de fourche pour que ça arrive à hauteur de la fourche. Ça, c'est pas réglé de base. Il faut inverser le phare, monter la roue avant. Monter le pédalier, les pédales, et globalement c'est tout ce que vous avez à faire. Donc maintenant on va parler un peu des stats techniques de ce vélo. Donc c'est le 26 pouces, là il est en coloris vert et jaune, mais il existe en noir et orange. Cadre tout suspendu comme vous pouvez le voir, avec la suspension au milieu. Donc là il y a la petite bague, ce que vous faites c'est que vous la mettez au minimum, et vous appuyez, et vous allez voir jusqu'où monte la bague bleue. Et il faut pas qu'elle aille en butée évidemment, donc vous le réglez. Après il y a les valves avec la pompe, donc compresseur à pompe à air, suspension à air pardon. Pareil pour la fourche avant, totalement réglable ici, vous voyez. On peut tourner la compression, la durcir ou la ramollir. Au niveau des vitesses, on est sur du Shimano 7 vitesses. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est du Shimano M310. On est sur une transmission en 14-28. Au niveau des freins, ça c'est ça qui est cool. On est sur des freins hydrauliques. On est quand même sur du haut de gamme. Ça fait plaisir d'avoir des freins hydrauliques. On est sur des freins de la marque Zoom. Je connais pas, mais ça a l'air plutôt correct. Au niveau du poids du vélo, il est assez lourd. Il fait 35,5 kg. Et il peut supporter une personne allant jusqu'à 180 kg. Donc autant vous dire que vous êtes large.
Au niveau de la taille, c'est vrai qu'il est assez haut. C'est donné pour un utilisateur entre 170 et 175 cm. Voilà, donc maintenant on va parler du vélo. Il a plusieurs riding modes. Donc soit vous pédalez, vous l'allumez pas, vous pédalez. Sinon, il y a un mode avec un mode pur électrique avec 5 shifts, donc 5 modes. Ça vous donne une autonomie allant de 60 à 70 km/h. Il y a également le mode, donc pur électrique, c'est ici, vous voyez, il y a la poignée et juste vous accélérez. Vous ne pédalez pas. Ça, c'est pur électrique. Après, on a le mode assistance électrique, pareil avec les 5 modes. Donc, ça va juste vous aider quand vous pédalez à entraîner le vélo. Avec ce mode-là, vous pouvez aller jusqu'à 120 à 150 km d'autonomie. Au niveau de la vitesse maximum, on va être entre 45 et 52 km/h, suivant le poids du rider. Évidemment, je rappelle que moi je suis en France, les législations nous autorisent à aller jusqu'à 25 km/h maximum. Au niveau de l'avant, on a également un phare LED de 4,5 pouces qui fait également klaxon, il me semble. J'ai klaxonné tout à l'heure sans faire exprès, je sais pas comment. Au niveau de la batterie qui est intégrée dans ce magnifique cadre, on est sur une batterie 48 volts avec 20 ampères-heure. C'est une batterie de Samsung, donc autant vous dire que c'est de la qualité. Le chargeur, on est sur un 48 volts, 3 ampères, donc il faudra compter à peu près entre 6 à 7 heures de temps de charge. Au niveau du moteur, on est moteur, je vous montre ça, mais pas du tout. Le moteur est à l'arrière. On n'a qu'un seul moteur arrière, du coup, on est sur un moteur de 48 volts en 750 watts qui peut faire des pics jusqu'à 1130 watts. Donc honnêtement, ça devrait tirer. On a une force de 100 Nm. Pas de soucis, je pense, ça devrait bien se passer. Ah! Le carton qui a décidé de nous quitter. Voilà, que dire de plus? C'est un fat bike, on a des gros gros pneus. Non, vraiment, il est très bien fini, hein. On sent que c'est de la qualité. Au niveau du tableau de bord, l'écran. Donc je ne l'ai pas encore allumé, je vais vous montrer ça juste après. Pour les petits boutons, pareil, hein, la finition est jolie. Il y a juste les garde-boue que j'ai pas monté, qui je trouve font un peu cheap. De toute façon, je mets jamais les garde-boue. Et il indiquait également que tous les câbles sont waterproof. Donc vous pouvez rouler sous la pluie, mais quand même au niveau de l'entretien, je vous déconseille de le laisser en extérieur. On va aller tester la bête, c'est parti. Du coup, avant de partir rouler, j'ai vu juste vous montrer l'écran. Donc quand on l'allume, hop, ça défile, il s'allume. On a la batterie qui apparaît tout en haut, donc il est chargé apparemment, ça c'est cool, on va pouvoir l'utiliser. On a les modes ici, donc là on est en pas 1, on peut augmenter avec le plus. On passe en mode normal, normal plus, sport, et là sport plus 5, si t'en sont max. Voilà, on peut rebaisser en appuyant sur le bouton moins, jusqu'à écho, et là off, carrément plus d'assistance. En dessous, on a un lodo, un mode trip, le mode max et la VG, donc vitesse moyenne. On va laisser le max. Voilà. Donc très joli écran, honnêtement. Même s'il y a des reflets, j'arrive à bien le lire. Donc c'est parfait. Allez, on va rider. Ok, donc c'est parti pour le test. On commence. Je me suis mis en mode 1, c'est le pas éco. Donc là, au niveau de la vitesse, on est sur une allure de 21 km environ. En pédalant, je vais arrêter de pédaler et je vais passer juste avec l'accélérateur pour voir à combien ça nous porte. Pareil, on est sur du 21-22 km/h. Donc là, on a une montée. On va voir si ça monte très bien. Juste à l'accélérateur sans pédaler. Honnêtement, là, ça monte déjà et on sent que ça force pas, hein. Le ralentisseur qui passe facilement avec le vélo tout suspendu, très agréable. 22. Voilà, ça monte très très bien pour l'instant, pas de soucis. C'est une grosse pente, environ 15 à 20%. On se rend peut-être pas compte en vidéo. Attention, on va tester les freins. Ça freine très très bien. Alors, on va tester le mode 2, voir à combien il nous porte. Alors, beaucoup plus puissant déjà le mode 2. Hein. On le sent, on l'entend, on le vent, on va beaucoup plus vite. Avec le mode 2, on est sur du 31 km/h.
on va passer au mode 3. Donc le mode 3, on est toujours en normal. Alors je vais juste tourner à droite vers le virage. On aura peut-être un peu moins de vent, on sera à l'abri. Mais après, c'est pas dit. Hop là, j'accélère. Bon, il y a encore plus de vent parce qu'on va encore plus vite. On est à pour l'instant 38 km/h en mode 3. Bon, avec le mode 4, j'accélère. Du coup en mode 3. Alors, on va tellement vite qu'il y a beaucoup de vent, hein, malgré le micro. Il y a une bonne reprise, honnêtement. Ça part bien, sans pédaler. J'ai les chargé une fois le vélo. J'ai déjà fait 20 km avec. Et en 20 km, j'ai même pas perdu une barre. C'est pour vous dire l'autonomie. Honnêtement, très bonne autonomie. Également sous ce vélo, on a ici dessous un bouton qui permet de klaxonner. Le klaxon est plutôt fort. Donc là, on était en mode 4. On va passer en mode 5. C'est le sport plus. Donc là, c'est tout au maximum. Alors, ça va aller un peu vite. Il y aura sûrement du vent. Je vais voir si je peux aller au max. Mais de toute façon, après, on aura une grosse ligne droite où je vais faire une vitesse max. Allez, c'est parti. J'accélère. Perdu notre première barre de batterie. Ok, donc là on va se diriger vers le lieu. On va se diriger vers le lieu pour aller faire notre vitesse max, sachant qu'avec la poignée, ah, y a trop de vent, je peux pas aller aussi vite. Avec la poignée, on a réussi à aller jusqu'à 48 km/h sans pédaler. Je pense qu'en pédalant un peu plus, enfin hors caméra de mon côté, j'ai déjà réussi à atteindre les 52 km/h. Le seul problème, si je peux appeler ça un problème, c'est qu'en fait on a qu'un seul plateau et je suis déjà en vitesse max. Et à 48, je suis obligé de pédaler comme un fou pour pouvoir aller plus vite. Déjà à 50 km/h, c'est une très bonne allure, hein. Là, vous allez voir, il va y avoir une grande ligne droite. On va bombarder. Là, vous voyez, je pédale à peine, ça reprend. Le niveau d'assistance est tellement élevé qu'on force pas du tout. C'est même le vélo qui nous tire plutôt. Allez. On est à 40 km/h sans forcer. Plateau, je suis à fond, les vitesses à fond, et je veux dire, je pédale comme un fou déjà. Il n'y a pas de. On force pas quoi. Donc là, on va arriver dans la grande ligne droite. Je suis pas sûr d'arriver à prendre les 50 là. Ok, on va tester, c'est parti. Allez, Antoine, on pédale. À 46, 47, 48, je pédale comme un fou. Ah voilà, on n'arrive pas à les dépasser là. À 49, 50. Voilà.
Ok, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. En conclusion, bah, très très bon vélo, très bon ressenti avec l'amortisseur central, il est très agréable. On a également aussi, je vous ai pas montré, la lumière de devant qui éclaire très bien. J'ai testé en pleine nuit et honnêtement ça fait très bien le taf, ça éclaire bien. Que dire de plus, il y a également un mode que je vous ai pas montré, je vais vous vite le montrer rapidement. Alors d'ailleurs ça baisse la luminosité de l'écran hein, quand on met donc ça c'est agréable. Je vais l'enlever. On a ici le mode pied. En gros on reste appuyé et le vélo, vous voyez, hop, il part. On a un logo et en fait ça nous met à une vitesse de croisière d'environ 8 km/h. Donc c'est bien ça par exemple pour se promener en ville ou quoi. D'ailleurs on va finir la vidéo comme ça. Je redresse un peu. Donc honnêtement, très très bon vélo, fourche réglable, amortisseur central, très très bonne autonomie. Vous voyez, j'ai fait 25 km. Je pédale quasiment pas, moi je suis tout le temps à la poignée. J'ai perdu qu'une barre de batterie. Donc honnêtement, très bien. Les freins hydrauliques, rien à dire. Tout est bien. Donc voilà, honnêtement, parfait. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Ivax. Ciao. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.